Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, complètement différent de d'habitude, on m'en avait demandé, donc je l'ai fait, voilà. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. Bon ça se comprend, il n'y a pas de souci. Mais comme ça plaît à certaines personnes, donc j'en ai fait une. C'est de la broderie au point de croix. Voilà, donc la vraie broderie. donc j'en ferai de temps en temps pour montrer un peu l'avancement de mes broderies. Donc là, je vous montre un petit avancement de ma broderie que je fais en ce moment. C'est le SAL, donc S-A-L, mystère que je fais sur Facebook. Le groupe est sur Facebook et donc on est, je ne sais plus, 200 ou 300, je ne sais plus à combien on est de participantes à broder donc la même broderie en même temps. Donc c'est une broderie qu'on fait en 12 étapes. On a une étape tous les 15 jours à broder, voilà. Donc là on est arrivé, donc moi j'ai un tout petit peu en retard, pardon. Je suis un tout petit peu en retard. J'ai terminé la deuxième étape hier. Donc, on était vendredi. Et alors qu'on a eu la troisième étape jeudi. Mais bon, c'est rien. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard. Ce week-end, je vais broder la troisième. Mais bon, j'ai 15 jours pour la faire. Donc, ça va. Donc, tous les 15 jours, on a une nouvelle étape à broder. Donc, c'est une broderie qui est quand même assez grande à faire. En tissu, enfin en toile. Je ne sais plus ce que j'ai coupé. J'ai coupé 1 mètre sur, 60, je crois. Je ne sais plus exactement. J'ai pas noté pour vous le dire. Mais enfin, c'est un ouvrage qui va être assez grand quand même. À broder, voilà, mais je pense qu'il va être super beau, parce que bon, vu déjà les étapes que l'on a eues, donc là vous allez voir que j'ai déjà brodé donc la 1 et la 2, voilà, donc à la fin vous avez la photo, et bon, je vous ferai de temps en temps une petite vidéo pour vous montrer. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois l'étape entière en train de la broder, parce que vous allez dire, Edilith, c'est chiant ton truc. bon, il y en a peut-être que pour le diamond painting aussi qui disent, oh, c'est chiant de te voir mettre les perles, voilà. Mais bon, ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal, je comprends. Mais là, bon, comme on me l'avait demandé, j'ai dit, bon, je vais le faire. Et donc, j'en ferai de temps en temps. Voilà. Je ferai, comme il y a une étape tous les 15 jours, je pense que je ferai une vidéo tous les 15 jours pour vous montrer où j'en suis arrivée. Donc, je filmerai mes derniers points, si vous voulez. Le dernier motif à chaque fois de l'étape pour vous montrer à chaque fois où j'en suis arrivée. Voilà. Donc je pense qu'une vidéo tous les 15 jours, ça va pas trop vous embêter. Voilà. Dites-le moi hein, en commentaire. Voilà. J'ai une autre broderie qui est en cours aussi, donc je verrai, peut-être que je vous la montrerai en même temps dans la même vidéo, ou je verrai, bon, si ça vous intéresse de voir l'autre broderie, je verrai. Bon, là, pour l'instant, la deuxième broderie est un peu sur le côté, mais bon, voilà. La deuxième broderie, c'est une broderie d'Isabelle Aucourt-Vautier, voilà. Donc, là, c'est pas un sale, hein, c'est une broderie, j'ai la grille et tout, donc je la fais de temps en temps. J'ai déjà bien avancé dessus, mais bon, celle-là, je la fais entre deux, voilà, quand j'ai un petit peu de temps. J'ai une voix bizarre aujourd'hui. sinon, voilà, j'avance sur mon tricot. Alors, mon tricot. Alors, j'ai fini le dos, hein, vous avez vu. J'ai attaqué le devant
Et ça fait déjà 2 fois que je le démonte. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Donc là, j'ai déjà démonté 2 fois. Donc là, je vais le refaire pour la 3e fois. Alors ça me gave quand je dois démonter. Alors bon, ça va, hein. J'ai démonté, j'avais fait ça. Le problème, c'est que le devant, il y a des motifs. Et quand je me gourre sur un motif, bah, c'est la catastrophe. Donc, j'ai heureusement, bon, heureusement, je me gourre pas sur une grande hauteur. Donc, j'ai démonté déjà 2 fois. Donc là, je vais le refaire. Mais je crois que je vais changer le point, je vais changer les motifs pour pas me prendre la tête. Parce que là, sinon, ça va me prendre le chou et le tricot va rester de côté. Donc, je ne veux pas. Donc, je vais changer les motifs et faire à ma sauce. Voilà, le bouquin, bon, enfin, sauf pour les mesures. Mais sinon, je vais faire mes motifs à moi. Voilà. Les motifs du bouquin vont rester sur le côté. Parce que là, ça m'a gavé. Démonter 2 fois, c'est bien. Hein. Hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà, donc sinon, bah, on est week-end. Donc, comme on est week-end, bon, ouais, il va y avoir du tricot, de la broderie et puis du diamond painting, je pense. C'est pas je pense, c'est sûr. Voilà. Sinon, bah, voilà. Il fait froid, il pleut, donc on reste à la maison, on bouge pas. Hein, et puis, ce sera bien comme ça. Voilà, donc bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous plaira quand même. Hein. Dites-moi en commentaire quand même si ça vous intéresse ou pas. Mais je vous dis, je vous en ferai pas souvent. Je ferai une fois tous les 15 jours pour vous montrer où j'en suis arrivée. Et puis je vous ferai une petite vidéo du dernier motif que je brode à chaque fois. Donc voilà. Sinon j'ai pu voir que certaines demandaient comment j'allais. Alors vous voyez, je baille pas là, hein. Non, je commence à aller un petit peu mieux. Donc j'ai changé de docteur parce que le mien était con, voilà, hein, on va dire les mots comme ils sont, le mien était con, incompétent, voilà. Donc moi j'ai des problèmes de thyroïde. Et il m'avait arrêté mon traitement du jour au lendemain. Il m'a dit, bon, vous ne le prenez plus, c'est pas la peine, tout va bien. Ah bon. Bon. Je ne suis pas médecin, hein, donc moi j'écoutais mon médecin. Donc on a arrêté le traitement, donc ça fait plusieurs mois déjà. Hein. Et puis, comme vous savez, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, fatigué, bah vous l'avez vu, hein, je suis désolée, j'ai même fait bâiller certaines personnes dans mes vidéos, je suis désolée. Et bon, cette fatigue, je l'ai trouvée anormale, et parce qu'en plus je fais de l'apnée du sommeil, tant qu'à faire, hein. En plus de ma fibromyalgie, j'ai une maladie rare aussi. Bon, j'ai plein de trucs, donc voilà, hein. J'ai 5-6 maladies, donc tant qu'à faire, hein, quitte à avoir une maladie, vaut mieux en avoir plusieurs, hein. Bon. et donc, j'en avais tellement marre de ce médecin, j'ai changé, j'ai pris un autre médecin, qui lui m'a dit non, je vous remets votre traitement pour la thyroïde tout de suite, on refait une prise de sang, voilà. Donc là, lundi, je vais faire ma prise de sang, parce qu'il a vu que sur ma dernière prise de sang, le taux était beaucoup trop bas. Donc là, je reprends mon traitement pour la thyroïde, et il a trouvé également que mon cœur allait beaucoup trop vite. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis extrêmement essoufflée. Je marche 20 mètres, je suis là.
comme un toutou, vous savez. Je suis comme un toutou qui a la langue qui pend. Je monte l'escalier pour aller dormir. Je suis morte. Donc, je dois mettre mon appareil pour dormir. J'en ai pour une demi-heure avant d'arriver à respirer normalement pour avec mon masque. Donc, tout ça vient du cœur. Donc, mon ancien médecin n'a pas vu tout ça. N'a pas vu que mon cœur n'allait pas bien. Donc, du coup, mon nouveau médecin m'a donné un médicament pour mon cœur, en plus. Donc, bon, un de plus, un de moins, un de médicament. Je ne suis plus à ça près. Donc voilà. Donc tout ça est à surveiller maintenant. Je re-soigne maintenant ma thyroïde. Voilà. Donc bon, ça fait quelques jours que je reprends le médicament. Donc je ne suis pas encore youpi, c'est la grande forme. Non, il faut le temps que ça se remet. Mais maintenant, bon. Je sais que le médecin que j'ai va me surveiller de près. Voilà. Et au moins, j'aurais pu du foutage de gueule par mon ancien médecin. Parce que ça aussi, je l'avais. Quand il avait un étudiant avec lui, 2-3 fois, il s'est foutu de ma gueule en faisant des messes basses avec l'étudiant. Il rigolait avec lui en se foutant de ma gueule devant moi, carrément. Donc, j'avais déjà fait la réflexion 2-3 fois. Ah oh, non, on dit rien. Mais non, mais rigolez de moi, mais bon. Donc, voilà. Super médecin. C'est pour ça que tous ses clients sont en train de se barrer. Mais bon, voilà. Donc, maintenant, j'ai un bon médecin qui va bien s'occuper de moi. Et donc, on va croiser les doigts. Et puis, on va espérer que maintenant, ça va aller un peu mieux. Voilà. Je vous jure. Non. Désolée hein, pour ceux que j'ai fait bailler pendant mes vidéos. Bon, alors voilà, c'était les petites nouvelles. Je voulais vous donner les petites nouvelles de moi hein, parce que certaines s'inquiétaient. Mais bon, il faut quand même du temps pour que maintenant tout se remette d'aplomb. Allez, maintenant je vous laisse regarder ma petite vidéo en train de broder. Voilà. Et on se retrouve donc très rapidement. Ah oui, si, j'avais quelque chose à vous dire. Donc, on est le 3. Oui, on est le 3. Je suis en train de vous faire la vidéo. On est le 3. Demain, on est le 4. Ben oui, hein, c'est logique. Demain, le concours se termine. Donc, si vous n'avez pas encore été participer au concours, allez, on court. Allez participer au concours. Hein, la vidéo est depuis quelques jours en ligne. Donc, allez-y. Lundi, il y a le tirage au sort. Voilà. Et le week-end prochain, donc, ouais, je pense, le week-end prochain, il y aura une vidéo surprise. Voilà. J'en dis pas plus, hein, vous le savez. Moi, c'est bouche cousue. Mais il y aura une vidéo surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais il y en aura une. Voilà. Donc, non, pour le concours, allez-y, parce que là, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Hein. Le 4 à minuit. Terminez le concours. Voilà. Et bon, vous avez déjà été très, très nombreux. Vous n'êtes pas loin des 140 participants. Donc, c'est super à participer. Oui, participants à participer. Voilà, c'est logique. mais s'il peut encore y avoir quelques-uns ou quelques-unes à participer, ce serait super. Donc, allez-y. Sinon, après, il sera trop tard. Voilà. Allez, je vous fais... Alors, par contre, si vous êtes en train de regarder cette vidéo 6 mois plus tard, le concours n'a plus lieu, hein, là. Allez, bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.
Et je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, bah, dites-moi en commentaire, hein, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez aimé, si vous ne voulez pas en voir, si vous voulez en voir. Mais bon, il y en aura quand même une tous les 15 jours. Voilà. Allez, bisous. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous, oui. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Ciao, ciao. Bon visionnage.